Les honorables députés provinciaux qui séjournent à Bunkeya dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle parlementaire depuis ce 8 juin 2022 ont effectué une visite sur terrain ce 9 juin de cette même année à Bunkeya. Les sites touristiques réhabilités et construits par la chefferie de Bayeke sur fond de la redevance minière sous la direction de Sa Majesté Mwami Mwendabantoumou Nangoro de Froid ont fait l'objet de leur descente sur les lieux, conduite par le premier échevin en charge de l'administration et politique, Célestin Lungama Kobeko, sous les explications du Mwami Mokonki, conseiller en matière coutumière du grand chef de Bayeke et du représentant de Sa Majesté Mwami Mwendabantoumou Nangoro de Froid. Les honorables députés ont tour à tour visiter les monts sacrés Nkoulou, la tombe du capitaine Botson, le camping et le cimetière royal Mounema où repose le roi Msiri Ier. Stupéfait, il est sans. Je dis ceci qu'en tout cas, ça me fait plaisir comme ça. Il est maintenant bien trahi, Transakushikia, à même quand même un trône de forme de Sanazaïti. Nous sommes là pour voir comment on vit à Bunkeya, particulièrement. Est-ce que les redevances minières apportent du progrès, le sourire à la population? C'est tout ce qu'on est venu voir. On est venu en visite dans les cadres de nos activités. Non, coup de chapeau à la chefferie, coup de chapeau au roi. Ici, à Bunkeya, vous la vivez, l'histoire. Et donc, moi, j'encourage, je félicite. Penser n'est pas réhabiliter le cimetière royal Mounema avec les fonds de la redevance minière, l'honorable Donat Timboge répond. Non, qui ose dire des choses comme ça? Ça c'est de la folie, c'est de la folie. Pour cet élu du Lualaba, la chefferie de Bayeke reste. Une chefferie aussi superbement responsable que celle de Bayeke, je ne pense pas. Je puis me tromper, mais je ne pense pas. D'autres visites pour les autres secteurs, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures, le social et l'énergie, eau et assainissement, sont prévues pour ces 10 juin de l'année en cours.